Mardi matin, bonjour à tous. Je suis ravie. Les premières commandes sont arrivées, enfin les premières box sont arrivées. J'ai eu déjà des petits retours très très positifs que je partage comme ça sur les réseaux. Je trouve que c'est sympa. Ouh, ça fait tellement plaisir. Il est pas loin de 11h30. Je vais aller faire des courses. Ouh, il fait tellement chaud. Bon, c'est vrai que j'ai la clim, mais faut les faire parce que je pense qu'après j'aurai pas le courage. Et cet après-midi. Et bah pour changer, j'ai encore pas mal de choses et notamment j'ai pas reçu les dernières comment ça s'appelle, les dernières fournitures de la première box, parce qu'en fait j'ai fait tous les envois des box des premiers contributeurs sur Ulule, parce que je trouvais que c'était normal, et les autres commandes Ulule, non pardon, les autres commandes sur mon site, je dois les faire là, mais j'attends, ça doit arriver demain je pense, comme ça je vais vite envoyer les autres et je vais pouvoir enchaîner. Voilà, vous savez tout. Je vais finaliser ma petite liste. C'est flou, non? Notamment, j'ai plus de masque et il faut que je prenne des modèles enfants avec ma petite tête. Et je veux du frais. Je veux pouvoir faire également des petites salades composées. Et il me faut, ah oui, du scotch, mais pas du comme ça. J'aime pas. Je veux du gros, mais transparent. Des enveloppes, des machins, des trucs. Et tiens, gommage. Je vais peut-être me prendre aussi un autoprenant. On va voir. Putain, je tremble. Désolée si ça bouge. Courage. Vous vous demandez, mais pourquoi il te tourne le dos? Eh bien, parce qu'il est fâchette. On s'est disputé ce matin. Il a fait les bêtises. Eh oui, bah oui, raconte. Raconte ce que tu as fait. Dis-le. Tu as fait les poubelles. Et sa maman, elle n'aime pas beaucoup. Papa non plus. Donc, on a eu une longue discussion. Maintenant, il le sait. Et voilà. Je sais, j'ai... Je craque, ce chat me rend dingo. Je galère, ça fait 20 minutes que je cherche un jeton, il n'y en a pas. Pas grave, j'irai à la queue. Vous n'avez pas la honte déjà? Il a dit à la question, vous avez appelé la sécurité parce qu'elle voulait partir. Oh non, le ça marche pas, la carte photo? Non, je l'ai déjà passé, on a passé. En fait, je vous explique, j'ai fait un plein de courses, mais vraiment le gros chariot, hein. Il y avait même du surgelé. Je vais pour payer et là, ça me met... refusé. Je me dis bon, ça peut arriver parce qu'en ce moment j'arrête pas de payer les fournisseurs, ça représente beaucoup d'argent, en plus tout cumulé, je fais bon, je vais retirer dans le supermarché du liquide. Et là vous savez ce que ça me met? Ça me met pas solde machin, non, ça me met carte expirée. Je me dis quoi? Je regarde la carte, ça va jusqu'en 2022. Et là ça fait tilde dans ma tête, je me dis mais c'est vrai que ils m'ont envoyé un message, la banque, me disant « Votre nouvelle carte de crédit est arrivée, vous pouvez aller la chercher. » J'y suis pas allée, mais je comptais y aller. Ils ont dû annuler celle-ci avant que j'aille chercher l'autre. Et c'est pas normal. C'est pas normal, tu préviens la personne, c'est-à-dire que là, les transactions, il n'y a plus rien qui passe. Donc vous pensez bien que cette réunion, je vais aller à la banque, je vais leur expliquer et je vais leur dire que c'est pas cool, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû mettre tout de côté, enfin surtout les surgelés. J'ai appelé Eric, mais Eric, il était midi 9, Eric est en jury d'examen, il fait passer des examens, donc ça répondait pas, et là il me répond, il sortait juste, il devait être midi 15, un truc comme ça, je lui explique, il me fait, bon bah bouge pas bébé, j'arrive vite, et il arrive à la caisse, bah, vous avez dû voir l'extrait, il fait toujours des blagues, j'espère que vous avez appelé la sécurité, blablabla, et voilà. Surtout qu'il a juste une demi-heure, un truc comme ça, pour manger, parce qu'il doit repartir en examen. Ouais, c'est pas top, donc bah, cet après-midi, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille à la banque chercher ma nouvelle carte. Et je vais quand même demander des petites explications. J'ai acheté plein de trucs, sinon. Et j'ai pas trouvé de masque. Ah oui, c'est vrai. Les surgelés, forcément, je t'ai rangé. Ouais, ils ont été vraiment bien, avec l'air très très sympa. Bon, après, ils me connaissent quand même. Je ne suis pas que de passage. J'ai pris plein de choses hein, pour faire notamment des salades, ça c'est cool. Merci bébé, hein, mais t'as le temps de manger quand même? Je t'ai pris un truc. Mmh. Oui, oui, bon, 10 minutes, tu pars, ok. Je nous ai pris petit sandwich et puis un wrap. Et regarde ce que j'ai pris. Pour toi. Deux petites bières. Oh là. Ah, t'as pris la uniforme? Je sais pas, j'ai trouvé bien. Vous l'avez goûté justement? Ah bah tant mieux, tu vois, j'ai pensé à toi. Et j'ai pris également, donc ça c'est du transparent, celui qui est sans solvant. Ils sont belles les bouteilles. Ouais, ils sont belles. Hein. Et je suis contente, il y a la burrata qui est en train de retour. Oh, tiens, tu t'es pris ça. Merci. On va trouver un sandwich qui est noté A. Ah, comment j'ai dit.
Ouais, c'est ça. J'ai pris... J'ai mis du temps à chercher un multi-surface dégraissant. Non, le retour, ouais, bah, je pense que pendant la période hivernale et tout ça, tu n'as pas de burrata. Hop, j'ai fait le plein de pommes. J'ai pris également de la même marque des endives. Rapidement. Ça, je sais que c'est pas vraiment un plat d'été, mais j'aime tellement ça, les marrons. Plaisir de manger des compotes, pommes poires. Et celui-ci, c'est celui qui est le moins sucré au monde. Il est très bien noté. Est-ce que tu as besoin d'aide, Jack? Tu t'arrêtes? Je viens de les laver, les housses en plus. Oui, et tu réponds encore à ta mère. Clinette pour désinfecter les surfaces. J'ai pris le shampoing sec et Sunset Vibes. Il me donnait envie, j'imagine qu'il doit sentir bon, fruité et ensoleillé. De la banane. Le retour de la grenade pressée. C'est très fort hein, au goût. C'est un petit shot le matin. Ça... Par contre, vous avez vu, extrêmement bon, mais c'est noté D. Pourquoi? Parce que c'est très sucré. J'ai pas pris d'autobronzant, mais j'ai pris déjà un gommage Manava au savon noir. Tac, tac, tac. Ouh, la bonne patate qui vient de l'huile dorée, appellation protégée. Les petits bouts d'ananas frais, il aime bien. Carré frais, parce que l'autre nature, bon, il n'a pas trop de goût. Celui-ci avec un peu d'ail, ça passe. 0% matière grasse. Quand je suis en train de me dire que je n'ai pas mon gel douche. Ah bah oui, il est... Oh, j'ai eu chaud. Voilà, Manava. Il a décidé qu'il faisait plus de focus, le gars. Il s'emmerde plus. Le chavreau, c'est ça. Donc, de l'ail blanc sec. Les personnes qui sont intolérants à l'ail, qui ont des... enfin, que ça barbouille. Eric aussi, ça peut le barbouiller parfois. C'est juste que dans la préparation, le bulbe n'a pas été retiré. Donc, comme tu peux pas contrôler quand c'est de la nourriture qui est toute faite, je vais essayer de cuisiner en coupant et en enlevant le bulbe pour voir si ça fait réaction ou pas. Parce que c'est quand même bon, l'ail, hein. Pour les artères, pour tout ça. J'ai envie de cuisiner. Et les petites nectarines. Voilà, allez. Et bien, il y a du taf. Hein. J'ai déjà tout rangé au niveau des surgelés. Après cette petite pause repas, il est 14h. Je vais à la banque. Bonjour. Le problème, c'est que là, celle-ci, là, qui est actuelle, elle expire en 2022. Ce matin, je suis allée faire un plein de courses et ça m'a mis... ça n'a pas marché. J'ai retiré du liquide et ça m'a mis, elle est expirée. Comment se fait-il? On est d'accord que c'est pas normal. Ah ouais. Je suis rentrée. Ah oui, bah d'accord. Bon. Bah, je suis passée à la banque, vous avez vu. Il sait pas. Hein. Mais il sait pas ce qui s'est passé. Bon, bref, c'est résolu. Après, je suis allée dans une parfumerie chercher un autobronzant. Et j'ai eu... Quoi j'ai eu? Une belle réduction. Donc, j'en ai pris un pour le visage, un pour le corps. Je vais vous montrer. Donc, je vais faire ça. Pas maintenant, hein. Je vais faire ça ce soir, je vais me faire mon petit gommage. Et comme ça, demain matin, on verra déjà le résultat. Je vais faire sur tout mon corps. Et donc, je vous ai dit visage aussi. Je vais en mettre que quelques gouttes, hein, on est d'accord. Et après, je suis passée à la pharmacie pour prendre des lunettes. Mais ils n'en avaient pas, vous savez, pour dormir. Parce que celles que j'ai, elles sont en moumoute trop chaudes. Et surtout, elles ne sont pas réglables. Donc, ça me sert, mais ils n'en avaient pas. Donc, j'ai juste pris des gouttes pour les yeux. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas, celles-ci. Apparemment, elles sont super, vu que depuis que j'ai fait tous les emballages, les cartons, l'ordi et tout, ça commence à m'irriter les yeux. C'est exactement ce que je veux. Et dedans, il y a de l'acide hyaluronique. D'accord. On passe au autobronzant. Elle m'a dit qu'il était vraiment pas mal, celui-ci. C'est le Self Tan de chez Clarins. Voilà, 99 d'origine naturelle. Et nous avons le même... Oh, attends... C'est pour le corps, mais il est tout petit. Pareil, ça doit être que... Ah, comment il fait? Ça doit être... Ah, sur mesure, ça doit être des gouttes alors. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, ça aussi, je pensais pas. Bah, tu mets quoi alors? Tu mets ta crème mélangée? Une crème pour le corps? Je repars. J'ai reçu un message de livraison qui est arrivé de premier produit pour la box de juillet. Bon. Je vais ouvrir ça. Je vais boire un coup quand même. Voilà, parce qu'il y avait eu d'autres commandes avant la clôture du 10 juin de box. Du coup, bah, j'ai fait une nouvelle commande et je vais pouvoir envoyer les dernières. Par contre, je ne vais pas envoyer ça demain parce que demain, c'est mercredi et c'est le jour le plus chaud. Donc, comme j'ai des petits chocolats, on va éviter. Vu que ça va se dégrader à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nickel, j'enverrai ça, il fera beaucoup plus doux.
Il faut tout faire, il faut penser à tout en fait. Demain, je vais de nouveau sur Chartres. Je vous ai dit, c'est à plusieurs kilomètres de la maison. Et demain soir, soirée. Et c'est déjà pas mal. Donc en plus, il va faire très chaud sur la route et tout. Pour la journée. Je dois être à 11h en plus. Bon, on va encore manger, je pense, sur place. Ça, c'est cool. Et sans doute, je vous prendrai. Ce soir, je vous ai dit, je mets mon petit auto-bronzant. Même si j'apprends, vu qu'on sue à fond la caisse. Je vais voir. Si c'est pas demain, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Donc maintenant, il est 19h10. Eric vient de rentrer du conseil de classe. Et je vais en profiter. Je vais faire à manger. Je vais monter ce vlog. Parce que demain, comme je vous ai dit, je pars. Et j'aurai pas le temps. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bisous, ciao.